Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lingerie. Et oui, ça fait quelques jours que je vous parle vraiment de lingerie et de culottes sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, et bien vous pouvez aller vous abonner sur mon compte Instagram tout de suite. Et aujourd'hui, dans cette vidéo particulière, j'avais vraiment envie de vous montrer les étapes de couture d'une culotte. Et oui, on approche de la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours, et donc j'avais envie de faire une promotion exceptionnelle sur mon programme « Comment créer votre lingerie » qui vous permet eh bien, d'apprendre complètement la couture de toute votre lingerie, culottes, soutien-gorge, maillot de bain, vêtements de nuit, mais aussi les bodys, les bustiers. Du coup, pour en savoir plus au sujet de cette formation, vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo. Vous atterrirez sur une page où je vous explique eh bien, comment se passe la formation « Créer votre lingerie ». Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans les commentaires en dessous, soit à m'envoyer un email. Donc cette promotion, elle se finit à la Saint-Valentin. C'est un prix exceptionnel, plus de 50% de réduction sur le programme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en dessous. Et du coup, dans cette vidéo, j'avais vraiment envie eh bien, de vous montrer les premières étapes de couture d'une culotte. Déjà pour vous montrer que c'est assez simple de démarrer la lingerie, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. Ce qui nous fait peur, c'est souvent le tissu qui peut paraître délicat comme la dentelle. Donc on va voir dans la vidéo ici comment coudre la culotte simple, basique. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, donc moi je travaille donc avec des patrons. Donc ici je fais des culottes. J'ai mon patron de culotte où j'ai mes marges de couture. Et j'ai une petite subtilité, c'est que sur le haut, des fois je mets un élastique et des fois j'en mets pas. Donc j'ai pas fait la marge de couture. Et comme ça, je peux l'enlever sur certaines culottes. Mais ça voilà, c'est un détail. Je note toujours tout ce qu'il me faut sur ce patron-là. Et je travaille aussi en fait avec des petites fiches comme ça où je fais mes dessins et je note ce que je veux dessus. Donc j'avais des tangas, j'avais des strings la dernière fois. Là, je travaille vraiment sur des culottes et donc là j'ai quatre couleurs, rouge, bleu, noir et gris, et du coup je sais ce que je veux faire avec chaque couleur. Donc là moi, pour que ça se voit à la vidéo, je vais découper le rouge, parce que si je vous découpe du noir ou du bleu marine, ça va être compliqué. Donc je vais prendre mon jersey rouge, je vais me mettre sur le bord, et vous voyez, je me mets donc sur le bord ici, le droit fil il est comme ceci, et je vais plier. Je plie sur le bord et j'essaie d'économiser un maximum de tissu forcément, puisque j'ai vraiment envie que eh bien je puisse faire un maximum de culottes dans mon jersey. Donc là ici, pour la culotte rouge que je veux découper, je vais ici vous montrer comment on peut en fait faire des culottes pas que en jersey mais avec d'autres parties. Sur le dos, ça va être que du jersey, donc tac, je vais découper. Par contre sur le devant, en fait, je vais faire une petite marge à ce niveau là donc moi je vais la faire droite, tac, c'est moi qui décide où bien évidemment, et cette partie là sera en dentelle, cette partie là sera en jersey. Donc après ça sera à moi de découper comme j'ai envie. Ici là je découpe 1 cm au-dessus parce que je veux mettre un élastique. Alors, vous voyez que moi, j'ai l'habitude. Et encore, vous voyez que j'ai découpé un peu plus là qu'au-dessus. Comme c'est du jersey, c'est pas très important si vous avez un petit décalage. Mais il faut quand même essayer d'être le plus propre possible. Là, pour aller plus vite à la caméra, vous voyez, je découpe autour de la culotte. Vous pouvez très bien utiliser un stylo, faire autour et puis ensuite découper sans le patron. Parce qu'il se peut que vous fassiez des décalages si vous découpez comme moi. Vous pouvez aussi découper avec des petites roulettes de ce type. Alors celle-ci est assez grande, mais avec une planche de découpe, vous pouvez très bien découper au-dessus. Ça permet de ne pas soulever le tissu et d'être vraiment au bord de ce qu'on veut. Donc moi j'aurai un dos en jersey. Je vais avoir une petite partie sur le devant qui va être c'est bien en jersey. Donc là, pas dans le tissu. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais faire ça. Je vais découper 1 cm au-dessus. J'arrive ici, je mets 1 cm aussi. Je découpe sur le bord. Tac, j'arrive là. J'ai ma marge de couture, donc ça c'est déjà bon. Et là, je vais faire comme ça. Je vais faire le petit cran comme au-dessus. Tac, et là, hop, je découpe droit. Donc j'ai mes deux morceaux de ce côté-là. Je vais découper aussi un fond de culotte dans le jersey. Ça, ça sera la partie intérieure, parce que je vais en faire un dans le jersey, un dans la dentelle. Donc, tac. Et voilà. Et donc maintenant, je vais découper un autre fond de culotte dans la dentelle. Et je vais découper donc cette partie ici, en rajoutant une marge de couture évidemment sur le côté. Et après, on va assembler. Alors voilà, vous voyez que j'ai toutes mes pièces de culotte. Donc ici, j'avais fait une partie devant en dentelle, je vous l'ai dit. Ça, c'était les deux côtés, les deux fonds de slip. Donc là, la première des choses qu'on va devoir faire, c'est assembler les côtés ici de la culotte, endroit sur endroit,
à la surjeteuse pour avoir un seul devant. Et ensuite, on assemblera donc nos fonds de slip avec le dos et le devant. Voilà, donc ici, vous voyez que la première partie, donc devant, est réalisée. Et vous voyez que je laisse les fils comme ça de la surjeteuse pour l'instant, parce que en fait, on viendra les couper une fois qu'on assemblera le reste. Et par exemple, ceux-là, je vais venir les rentrer dedans avec une petite aiguille. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais prendre mon devant, je vais mettre endroit contre endroit la partie dentelle ici, et après je vais mettre donc envers de la dentelle sur endroit de mon jersey. Et là je vais venir donc mettre une petite pince sur les trois épaisseurs, tac. Et voilà, après en fait ce qui va se passer c'est que vous voyez ces deux parties là, donc j'aurai l'extérieur ici endroit endroit, et à l'intérieur j'aurai l'endroit sur la partie en fait fond de slip, ok? Donc c'est pour ça qu'on met envers sur endroit le fond de slip jersey et qu'on met endroit sur endroit la dentelle. Donc là, je vais vous montrer à la surjeteuse comment on fait. Je vais vous le montrer quand je le fais. Et puis après, on assemblera le dos avec les fonds de slip. Et ensuite, on assemblera les côtés. Alors, vous voyez ici, donc j'ai placé mes trois morceaux. Je me suis assurée en fait qu'au bout, ils sont bien, bien alignés. Ça, c'est hyper important. Et quand je vais passer sur la surjeteuse, il faut absolument pas qu'il y en ait un qui plie ou qui se décale. Donc j'avance tranquillement. Et hop, je fais attention au bout, pareil, que ça soit bien aligné, et j'avance. Je tire, donc là, je coupe le fil maintenant, tac. Alors, vous voyez, donc j'ai ma surjeteuse qui est faite, mon jersey et tout qui est bien assemblé. On va aller voir ça sur la table de couture maintenant. Alors, vous voyez maintenant, mes deux parties là sont bien, donc l'important c'est que ça soit bien, bien aligné. Donc là, c'est l'intérieur de la culotte, là, c'est l'extérieur. Donc là, ça fait vraiment bien propre, on peut venir passer un coup de fer à repasser. D'ailleurs, sur les côtés là aussi, on peut venir passer vraiment un bon coup de fer à repasser. Bon, maintenant, comment on fait? Eh bien, on va ouvrir la culotte, on va venir se mettre comme ça, et on va venir rouler le devant dedans. Une fois qu'on a roulé le devant, on va venir placer notre dos. Donc, vous vous souvenez, c'est endroit sur endroit de notre dos ici, tac. Et ensuite, on va venir reprendre le jersey et le mettre entre les deux. Et là, je mets une petite pince et je fais pareil à la surjeteuse. Je m'assure bien que ça soit bien aligné au niveau des jerseys et de la dentelle. Et on vient coudre ici. Et en fait, après, on aura juste à retourner la culotte et elle sera faite. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma couture ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je retourne tout. Je mets tout sur l'endroit. Là, je viens repasser correctement. Donc ça, c'est l'intérieur de ma culotte. Et ça, c'est l'extérieur. Donc vous voyez que je laisse vraiment tous les fils pour l'instant. Il n'y a pas nécessaire de les enlever. Je vais vous montrer après comment on fait. Donc là, la dernière étape qu'il faut faire, c'est prendre votre culotte, mettre endroit sur endroit au niveau des côtés et venir coudre pareil à la surjeteuse à ce niveau-là. Et la dernière étape de cette culotte, ce sera de mettre l'élastique dessus. Donc je vous laisse coudre les côtés exactement comme on a vu à la surjeteuse, et puis ensuite on mettra l'élastique. Voilà, donc la culotte est réalisée. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est venir et bien prendre les fils au niveau de la dentelle et du jersey ici et venir les mettre à l'intérieur. Donc pour ça j'utilise une aiguille Allen. Je prends mon aiguille, je l'enfonce dans les pics de la surjeteuse. Donc voilà, là j'en ai 2-3. Je mets le fil dedans. Voilà, et après je tire avec l'aiguille. Donc j'ai rentré une partie des fils, on peut le faire beaucoup plus loin. Et après, eh bien, on vient avec le ciseau et on vient couper le fil du surplus. Alors, il faut savoir que maintenant, on va mettre de l'élastique tout autour de cette culotte et que du coup, on n'a pas forcément besoin de tout rentrer. En fait, le fait que l'élastique va passer sur la couture fait que, eh bien, on n'aura pas besoin de tout couper. Donc moi, j'ai choisi un élastique comme ceci, avec un bord dentelle qui va venir en fait se positionner, vous voyez, comme ceci. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est prendre l'élastique et venir le positionner, donc la dentelle vers l'intérieur, pas vers la cuisse ici. Et je positionne endroit sur endroit, bien évidemment, mon élastique ici. Et je vais venir faire un point zigzag sur tout le long ici. Et la deuxième étape qu'il faudra faire, c'est retourner l'élastique et faire un deuxième point zigzag ici. Et du coup, l'élastique sera posé. Donc je vous laisse faire d'abord une première étape qui est de faire le point zigzag à la machine à coudre sur l'élastique. Je vais vous montrer comment on fait parce qu'on doit un petit peu tirer l'élastique pour garder bien l'élasticité et faire que les cuisses soient bien serrantes. Et donc du coup, on fera tout l'élastique ici, tout l'élastique sur l'autre cuisse, et on fera aussi la taille. Mais vous voyez qu'ici sur la dentelle, j'ai laissé une jolie dentelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici à la taille, hop, et je vais revenir ici. Et comme ça, j'aurai pas besoin de mettre sur la dentelle. Après, ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre sur la dentelle,
mais couper la partie dentelle ici pour pas qu'elle nous gêne à l'intérieur et qu'on ait le bord vraiment bien dentelle de notre culotte. Donc on va aller à la machine à coudre, je vais vous montrer quelques points zigzags sur l'élastique et puis ensuite, eh bien moi je finirai la culotte et on verra la conclusion ensemble. Donc nous voilà sous la machine, donc vous voyez que j'ai placé l'élastique, eh bien comme je vous le disais, avec le volant vers l'intérieur et donc là je suis sur la cuisse. Ensuite sur la machine à coudre, donc je viens de mettre le point zigzag numéro 4. Après je vais l'élargir un petit peu parce que je sais que l'élastique est un petit peu grand et du coup ce que je fais c'est qu'au début je peux piquer dedans pour voir si la largeur que j'ai mis c'est ok ou pas. Alors je vois qu'il vrille un petit peu, je vais juste diminuer un tout petit peu et là en fait je dois faire mes quelques points. En fait ce que je vais faire c'est qu'au fur et à mesure que je vais couler l'élastique, je vais le tendre comme ça. Hein, il faut absolument pas le laisser tel quel, il faut le tendre et avancer. Vous allez me demander comment je sais quelle tension je mets. En fait, plus vous allez faire de la lingerie, plus ça sera facile de savoir. Mais là, c'est à vous de voir. En fait, plus vous allez le tirer, plus l'élastique après va faire ça. Vous voyez, ça va faire des fronces. Et moins vous allez le faire, ben voilà, ça va faire juste ça. Le but, c'est quoi? Le but, c'est juste d'avoir un petit élastique qui resserre au niveau des cuisses, mais qui serre pas trop, parce que sinon, ça va vous faire mal. Déjà, en fait, le patron, normalement, il est bien fait pour vous, pour pas avoir besoin de l'élasticité d'un élastique en plus pour que ça colle à vos cuisses. L'élastique, c'est vraiment pour que ça fasse propre, joli, et qu'on redonne un peu d'élasticité. Donc là, c'est à vous de gérer ça. D'ailleurs, vous voyez que moi, je coupe pas mon élastique tant que j'ai pas cousu. Donc je le couds tout le long sur mes deux cuisses et sur la taille. Et après, ben, en fait, je le fais d'abord dans ce côté-là, et après, je retourne. Donc là, c'est vraiment juste un point de zigzag à la machine. Et après, eh bien, notre culotte, en fait, elle est terminée. Vous n'avez pas beaucoup plus d'étapes à faire que ça. Donc on se retrouve après, je vais faire les deux étapes de l'élastique et on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, donc les élastiques sont placés. Vous voyez, hop, je l'ai mis à la taille, j'ai mis au niveau des cuisses. Vous pouvez repasser sur les élastiques, ça l'étend un petit peu plus. Et voilà, du coup, notre culotte est vraiment terminée. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de petits détails. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des culottes un petit peu différentes, avec ou sans dentelle, ou complètement en dentelle, avec des élastiques à volant comme ici, ou sans. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et vous voyez que c'est pas si compliqué que ça de coudre sa culotte. Et voilà, vous avez vu eh bien, comment coudre cette fameuse culotte. Donc si vous voulez apprendre eh bien, à faire votre patron sur mesure de culotte, mais aussi de string, de tanga, de porte-jartel, de soutien-gorge, couvrant, push-up, vraiment toutes les formes qui peuvent exister, mais aussi votre maillot de bain, si vous avez envie de faire plaisir à votre chérie avec de la lingerie vraiment très jolie, mais aussi vous faire plaisir à vous, eh bien je fais une promotion sur mon programme Créer votre lingerie jusqu'à la Saint-Valentin. C'est une promotion exceptionnelle où je fais un tarif sur eh bien, le programme Créer votre lingerie qui à la base est à 899€ que je vends 499€. Donc ça se passe juste en dessous, vous cliquez dans la description sur le lien et du coup si vous avez des questions n'hésitez pas soit à les mettre en commentaire soit à me les envoyer par mail, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a vraiment donné envie de vous lancer parce que vous avez vu c'est pas si compliqué et du coup moi je vous dis à très